Donne tout, Vico, donne tout. Fais l'amour à la caméra. Fais l'amour avec le boîtier, je t'ai dit. Voilà, regardez-moi cet artiste. Mais grave, laisse tomber là, j'ai l'impression de tanguer, je suis pas bien. Je suis à deux doigts de déposer mon déjeuner dans mon trafic. J'aime bien. Ça c'est de doping. C'est de dopage. C'est ça, le sérieux. Même pas la tremblote. Non, je vois ça. Là je m'épate. C'est exceptionnel, c'est parce que tu as eu ta dose de nicotine dedans. Dans deux minutes, il est comme ça. Ça y est, c'est bon, t'es en live. Alors attends, vas-y, faut que tu fasses l'intro. Comment on fait l'intro? Attends, je regarde pas le début de tes vidéos. Tu regardes. Voilà, nickel. Mesdames et messieurs, bonjour. Vas-y. Ah si, je te garantis, je te le jure, je vais laisser le plan sur ma tête. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à La Gurte Tété, Graillon et l'hôpital. Exactement, donc maintenant j'ai le droit de prendre la main, hein, voilà. Donc mon petit Jadou, parce que c'est mon Jadou, hein. Faut savoir que c'est un petit garçon à la base. Donc nous sommes bien à la Gurte Tété, à Graillon. Regardez, nous avons la Saint-Sancerre qui est là. Le gang est là, là, le Vince est prêt, le Vico est là. Le boss, il est parti balader les pitbulls. Nous allons directement aux techniques, puisque moi je vais rouler le samedi, et les tops, ils vont rouler le dimanche. Donc là, on est vendredi soir, let's go, contrôle technique. Bonjour Jules. Ta gueule. Alors Jules, est-ce que vous avez un Instagram chaud, à nous communiquer? Non. Vous êtes sûr? Oui. Je vais le mettre en bas à gauche quand même. Tu le sais même pas, je suis sûr. Si c'est Jade-Bas Coquet à tous les coups. Jade-Bas CQT, un truc comme ça. Jade-Bas CQT. Ah, voilà, c'est bon, voilà, c'est validé, tu vois, voilà. Donc si vous voulez aller parler à Jules. Putain, l'enfoiré. Yam. Ça c'est pour le boss. Demain on ravitaille de la 500, mais on ravitaille le boss. C'est bon, c'est bien. Ah, merci. Puisque le contrôle technique est passé, on recherche le boss. Et le boss, vous savez où on l'a trouvé? Non loin d'un apéro, comme d'habitude. Ouais, je sais, mais apéro quand même. Apéro quand même. Toujours fourré dans les bons coups, le boss, puisqu'il s'est fait inviter quand même le lendemain. Pourquoi? Pour manger des crevettes et des langoustines. Voilà, Mounette, t'as vu, c'est lui, c'est pas moi. Qu'est-ce que vous voulez boire? Mes aïeux. Ah ouais, c'est top ça. C'est le jeune Nono dont tu parles, ouais, si ça devrait aller ça. Parfait. Merci Nono. On va pouvoir ravitailler vite. Ah mais je suis pas sûr que ça passe. Ah je te jure, j'ai un doute. Tu crois? Ok, bon bah si c'est ça. Ça vient de chez les deux Mester, alors ça peut aller que vite. C'est sûr. Ok, bah, je vais le tester quand même. Merci Nono. Ça c'est lourd. Merci Nono. C'est moi qui devais filmer de base. Et ben c'est toi qui très déçu. C'est pas tombé dans les. Non, mais c'est pas tombé dans les d'un sourd, vas-y. Tiens, ouais, prends le téléphone. Vas-y. Ouais, alors, on est arrivé. Alors, elle va vous faire le home tour. Vas-y, fais-le. Le home tour. Alors. Non, mais là, parce que j'ai pas 250 gigalib, cousine. Cousine, je suis pas ta cousine. Hein. C'est pas l'occurrence ici. C'est vrai, cousin, excuse-moi. Oh, ta gueule. Donc, merveilleuse cuisine, on peut le noter. Regarde où tu vises, va doucement. Et je vise doucement. Là, on a le boss qui. Regarde le Dakar. Allez, vis, regarde où tu vises. C'est comme quand tu vas aux toilettes, faut regarder où tu vises. L'usable tunnel de Villiers transparent depuis le départ. C'est bon. Attends, je filme les chambres. Une chambre. C'est pas la nôtre. C'est pas grave, regarde, attends, on va mettre la light. Voilà, on est bien. Bah, une ancienne grange. Vas-y, filme-moi, il faut que j'aille filmer. Si tu veux que je décharge les chariots, c'est maintenant. C'est maintenant, voilà. Allez. Donc c'est maintenant, on va décharger les chariots. Voilà, on a sorti la moto. On a monté un sélecteur Honda tout neuf. Il n'y en a plus de dispo du tout, donc là c'est peut-être un des derniers au monde seul. Avant j'avais une espèce de chinoiserie. Je peux vous dire que je l'ai poncé celui-là niveau passage de vitesse. Bref, là au moins on est sur une top qualité.
On est sur du de l'OIM, d'origine Honda. Allez, on la recharge. Je vais juste tester le Derrick, voir s'il passe bien au niveau du bouchon. S'il n'est pas trop petit, si l'entraîne n'est pas trop petite. Et puis après, ça sera tout bon. On pourra aller préparer les lunettes pour demain. Wow. Les petite Scott, ah ouais, pour venir bah, quelle est aussi, hein. Et le GIO, il fait ses lunettes. Voilà. Donc on part avec les prospects sur le nez. Ça, je l'aurai dans la banane, c'est une furie. Et ça, ça sera au ravito. Voilà. Ça va être difficile ce matin. Ça va être difficile pour toi, pas pour nous. Je dois remettre deux allumettes là. Tu veux de médaille? Tu te lèves trop tard, c'est pour ça. Non, t'as pris tes hormones toi? Non. Hein, Jules? Bon, alors détends-toi. Bon, allez, on s'en va au terrain. La moto est partie au parc, je m'habille. Parce que ce matin, j'ai dû mettre en mode rallye. J'étais arrivé ici, plus de lunettes. J'ai dû faire demi-tour. J'ai prié le Seigneur pour pas croiser une biche sur leur tour. Mes amis, le vintage est fini. Visiblement, je finis 56. Apparemment. En étant parti dans le parc 119,
Je suis plus que content. Pas de chute. Première fois que ça m'arrive. Plusieurs calages. Félix, on va lui demander. Il a fait du Félix, comme d'hab. Regardez, je vous montre. Voilà. Félix, il a monté une antenne, là, pour écouter la radio. Voilà. C'est pour écouter RFM. Regarde. Il capte RFM, là, c'est bon. Félix, viens ici. Viens ici, viens ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Pas maintenant. C'est pas possible. Là, bientôt, il va mettre une petite enceinte, là. Là. Et là. Comme une Goldwyn. Hein, on va lui faire une petite Goldwyn. Bon, Félix, en fait, je vous l'explique, il a dû couper le câble d'embrayage parce que cette espèce de sangouin, il a réussi à fumer l'embrayage neuf en moins d'une heure. Ça a un excité de la gâchette, Félix. On va attendre qu'il arrive. Bon, bon, Félix, je vais montrer que le haut de ton visage parce que le bas, voilà, t'es à poil. Non, très joli caleçon, très joli caleçon. Ouais, c'est les coups. Petit smiley, ben t'as vu, c'est pas mal. Bon, bon Félix, qu'est-ce que t'as fait à ce vintage? J'ai fait de la moto. Tu pars j'ai cassé l'embrayage. Attends, au début, tu pars combien? Ouais, je pars 5. Ils volent le départ, je pars 5. T'as vu le crash au départ devant ouais. toi? Ouais, ben, c'est le mec qui vole le départ qui se met, qui se met au tas. Je dois être 5, et puis après, je prends une place dans les 10 premiers, quoi. Ça roule, tranquille, bien. Et c'est con, c'est que ça t'arrive dans le dernier tour. Et ça m'arrive dans le dernier tour, l'embrayage terminé, je débranche le câble, et puis bah ça. Attends, non, tu débranches pas. Non, je t'arrêtes, tu demandes, tu trouves un mec qui a une pince. Je prends une pince, je coupe le câble, mais ça repart pas. Donc, un tour, je finis 27 au lieu de 9, je crois. 10, ouais, 9, 10, 10 j'étais. Ouais, c'est quand même con. Non, j'étais bien, c'est bien. La moto va très bien, le moteur était neuf. Tout neuf. Touquet, tu vas rouler sur quoi? Pareil, 500. 500 Ouais. Okay. Elle va bien, ça va, on a validé le moteur. Par contre, au Touquet, on va couper ça. Là, voilà, ça, on va couper. Ouais, comme ça, tu pourras pas. Voilà. Alors que c'est pas mon habitude de rouler à l'embrayage. Pardon? Jamais à l'embrayage. Mais quel matos sur la 2,5, c'était pas. Ah, la 2,5 sur la, mais la 500, je roule pas l'embrayage. Sur la 2,5, des manches de 30, t'avais réussi à le fumer, tu te souviens? Ouais, mais sur le 500, c'est jamais je roulais à l'embrayage. C'est vrai que c'est la première fois. Et là, je descends du 2,5 et je suis reparti et je sais pas pourquoi, j'ai voulu rouler à l'embrayage et. Bah, c'est une connerie. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai pris vachement de plaisir. Ok. Je me suis vraiment bien amusé, c'était vraiment bien. Bon, bah, ça, c'est top. Tu vas rouler demain aussi? Ouais, mais là j'ai moins tranquillou. Envie. Oui, ouais, t'auras moins envie de rouler. Ouais, j'y vais, mais voilà. Bon, donc comme ça, vous savez tout ce qui est arrivé à Félix. Je vais vous faire mon débrief et comme ça, le vintage est réglé. Les tours. Je vais vous faire un petit zoom sur la moto à Félix. Regardez. Au niveau de sa moto, il a acheté des carters taille masse, le Félix. De ce côté-là, on les voit pas bien. Typo JSV, le fils de Doma. Je vais vous montrer. Les carters. Il a un 9, il y avait tout de neuf celui-là. Ce moteur-là, il était en attente sur son établi depuis une plombe. Et là, il a décidé de le mettre en route, le Félix. Avec la même air là-bas derrière. Bon, allez, je vais la charger. On va faire le plein de produits Ipone et on va aller la laver. C'est parti, les tontons. Donc, le Vince, il est en train de s'affairer sur la moto de Demon. Et là, il va nous poser du grillage qu'on appelle communément entre nous le grillage à poule de Steve Coquet. Il va les mettre devant les radiateurs, mais d'une certaine façon, il va faire un arrondi léger de façon à ce que ça ne soit pas plat et que ça ne vienne pas obstruer. Si jamais vous mettez du grillage comme ça, très important, messieurs, d'avoir du grillage à mailles très espacées. Sinon, le sable se colle dessus, ça colmate et c'est foutu. N'est-ce pas, Vincent? C'est ça. Panneau. Mais le panneau il est fait, le problème c'est qu'on n'a rien pour mettre dessus le panneau. Et ça marque pas hein, sur le plexi. Bah tu prends du Benilla. Steve il est en train de péter une pile, pourquoi? Faut savoir que le Max il s'est plein de la taille du panneau course d'avant. Demain tu rates le panneau mon gars, voilà. Ne rentre même pas au camion. Je t'en quille. Donc du coup Steve il lui a passé un bout de plexi, mais visiblement il ne l'a pas pris. Moi je vais pas noter, il y aura rien à dire, il y aura rien à dire. Parce que s'il ne me voit pas, c'est vraiment de sa faute et il a le panneau dans la gueule.
Oh non, j'étais mal poli. Le père, il va mettre des coups de panneau depuis le bord de la piste. Comme ça. Impressionnant, là, tu lui donnes un morceau de plexi. Ainsi. Il est fait. Il le prend pas. Mais si, mais c'est cul-de-vec qui n'ont pas fait le truc. Protection pour la plage, messieurs. Alors à noter que pour la plage, cette année, le départ va être avancé de quasiment 2 km. Ils vont partir au niveau du blocos tellement il y a de cailloux sur la plage. Donc, ils les font partir de cette façon pour qu'il y ait moins de risques au départ de chute grave et de projection. Du coup, ils vont protéger un peu les motos, les mecs. Hein. La vieillesse, boss. Les genoux. Mal aux genoux, mais ouais, je vois ça que t'as mal. Putain, faut que je marche un peu. Ouais. Oui, il a peut-être un caillou dans la chaussure, c'est vrai. Et on roule pas en marche. Hop, petit contrôle technique. Premier pot, c'est bon, boss. Ouais, 112. Change le deuxième. Le max, il va passer aussi. Ouais, je préfère. Il avait dit quoi le boss Vincent? Il n'allait pas pleuvoir. Ah, rien avant 17h. Hein. Ouais. Ouais. Bah, c'est pas Catherine Laborde le boss, hein, je vous le dis. Regardez-moi ça. Allez, rebelle. J'ai d'un fion d'équipe. Les huîtres, on va te dire. Les huîtres sont des apprêts. Un petit sac pour les ravitailleurs. Voilà. Le vin s'y prend des forces. Puis après, ça va être la course. Je sais pas, il est quoi, 12h15, 12h30. Comme ça. 12h33. Voilà, la course est là, 2h. D'entrée là. Ouais, Julien, on va plutôt. Ouais, en final, c'est les mécanos de Yentel viennent d'arriver. Moto, donc ils vont se mettre juste à côté de nous, regardez. Nous, on va se mettre là. Donc le gang, là, qui gagne. Là, si je dis pas de bêtises, ça va être Max, Félix, etc. Au-dessus, ça devrait être les bêtises. Non, et Yentel, il va être là. Tonton, je suis en compagnie de Yentel Martens qui roule pour la concession. On va lui demander s'il y a une stratégie pour la course. So Yentel, hello. Is there a strategy today or no? Full gas. Full gas? From first lap. No, I hope to have a good start and then try to be in front and push okay. Till the end. Le boss, il vient de me dire, traduit à Yentel, il y a 500 balles pour le départ. Mais faut pas trop l'exciter, Yentel, parce que de base, il est déjà trop excité comme bonhomme. Le boss, il a réussi à trouver du duct tape au dernier moment. Et le Yentel, il va se faire une rallonge de casque au-dessus. Alors. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, en fait, ça sert à rallonger la visière. Et du coup, quand il y a beaucoup de projections, on a simplement à baisser légèrement la tête et à lever les yeux plus haut, et ça protège le masque. Alors après, c'est aussi une source d'embrouille. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de prise au vent. Donc dans la ligne droite, le casque, il a tendance à se lever. Good. Voilà. Il y a des casques qui le font de façon comment dire naturelle, notamment le Scorpion. C'est de quoi? C'est le VX que je dis pas de... le VX22. On peut. Il y a une rallonge qui est fournie que vous pouvez monter. C'est le gros avantage de ce casque. Il y en a d'autres hein, des avantages, mais ça fait partie des avantages. Et c'est profilé, c'est vraiment naturel. Bah, je regarde si j'en vois un retour, mais non, je vois pas de Scorpion. Démon, il est Scorpion, mais il est un peu plus devant. Allez. Bon, ils vont les faire partir en convoi, puisqu'en fait, ils vont pas partir comme d'habitude juste en bas de la plage, ils vont partir au niveau du blocos. Parce qu'ils ont pas pu retirer les cailloux en bas de la plage, donc du coup, ils les font partir après. Mais ils passeront quand même à cet endroit-là au deuxième tour. Enfin, à la fin du premier tour, début du deuxième. Donc là, ils les emmènent à pied jusque-là. Thank you.
Allez, messieurs, dames, apparemment, c'est Matteo Mio qui aurait fait le whole shot. La première vidéo. Kenneth Mio. Ok. Florian Mio. Le cours. Le cours. Yentel, il est loin Yentel. Liam, ça peut être possible, je suis pas sûr. Bon, pour l'instant c'est très resserré, hein. Les 10 premiers sont ensemble, les 10-12 premiers. Pas trop de surprise pour l'instant. Le mid-pack est très ensemble. Le mid-pack est relativement ensemble. On va essayer de remonter. On va aller voir un petit peu plus haut. On a Kellet qui a pris une partie comme une balle. Donc Kellet premier. Pour l'instant, je vois personne derrière. Là-bas, ça arrive. En train de creuser un léger écart. Donc deux. Van der Kel, suivi de Jono, Florian. Et là on a Ok. Et là on a Demon. Demon doit être dans les 10. Il doit être 7 ou 8 Demon si tout se passe bien. Je sens que Collignon vient de rentrer au stand là-bas. Il y a peut-être un problème. Là je le vois descendre. Par contre, j'ai toujours pas vu repasser Yentel. Ni à l'oreille. J'espère qu'il a pas cassé. C'est bizarre. Il était aux alentours de la 10e place, Yentel. Il aurait déjà dû passer. Wattel. Bon, bah là, ça pue pour Yentel. Vous le dites. Bon, je vais aller prendre des renseignements dans les stands, c'est bizarre. Soit il a cassé, soit c'est moi qui l'ai loupé. Bon, comme vous pouvez le voir, le boss est en détente. Il est en détente, pourquoi? Parce que Yentel n'a pas cassé. Yentel ne s'amuse pas avec l'embrayage. Donc il est bien passé, juste devant Demon. Et comme nous dit son mécano, il reste 2 heures. Ne partons pas vainqueurs. Bon, allez, donc là du coup Demon il est aux alentours de la 8e place, Yentel 7, Max il est aux alentours de la 100e place, et Félix je ne le trouve pas dans le classement, donc on va essayer de regarder. Bon alors du coup, Félix 107e et Max il est juste devant 100e. Allez, troisième tour, toujours Kellet devant. Alors est-ce qu'il a maintenu l'écart ou est-ce qu'il l'a augmenté? Le mot, il l'a augmenté. Derrière, on avait les Acer Boys. Yentel. Yentel 2, peut-être. Suivi des 2 Mio. Et 2 Yentel. Je pense que j'ai eu passer les Acer Boys. Bon, donc là Yentel vient de passer deux. Ouais, écoute, non. Ouais, il est deux Yentel. L'intolière est étonné. Je vais vous expliquer pourquoi Yentel est deux maintenant. Comment ça se fait qu'il est deux là, le Fantastico? Bah, j'avais dit à Yentel de vraiment pas prendre de risque dans les dans le premier tour parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Parce que sinon il y a trop d'art, ça va trop vite. Et de, dès qu'il a rattrapé les attardés, de vraiment commencer sa course à ce moment. Maintenant, il faut maintenir. Maintenant, il faut maintenir. Il faut revenir sur Kellet parce que Kellet, il est 30 secondes devant. Donc maintenant, il faut qu'il revienne sur Kellet. On va regarder le chrono qu'il a fait et par Demon, rapport à Kellet. Et Demon, il est combien? Et Demon, il est très bien placé. Il doit être 7 ou 8.
dans le paquet vraiment de j'irai pour aller de la 3e à la 7e place où il est. Ok. Bon, les prochains plans, ça sera sûrement le ravitaillement d'Yentel Martin, c'est juste après le démon. Allez, lunettes. Allez, vas-y. Monte sur la moto. Allez, c'est parti. Ravitailler au même moment, donc là on vient de ravitailler Yentel. En face ils sont en train de ravitailler. Genou Van Berkel, je les reconnais jamais avec leur numéro. Je sais pas lequel est le 3 du 19. 19 ça doit être Van Berkel. Bon Félix, Félix il est rentré à l'arrache complet. Hop, et la maintenance c'est ok. Visiblement il perd son futal. Hop, Damon, il va arriver. Tu veux chaîner la moto ? Allez, la trappe, allez, la trappe. C'est bon. Elle est en prise, fais gaffe, boss. Allez, go ! Attention derrière. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, let's go. Ça ravitaille chez les bêtises. Après la nouvelle salle de ravitaillement, toujours que le leader. C'est facile. Hein. Il est en train de checker les temps. Alors, est-ce que Yentel arrive ? Pour l'instant, je ne le vois pas. Yentel, là, Yentel arrive avec bon. Ouais, il y a un SR juste derrière lui. Allez, Vali ! Il est pas là ! C'était pas Yentel ? C'était pas Yentel, hein ? Si, c'était Yentel. T'es sûr ? Ah oui. Van Berkel et Yentel, regarde, genou, il est là. D'accord. Donc là, c'est 4. Donc Yentel, toujours 2. Ah, il est 3 derrière Van Berkel. Ok. Donc là, on a une baston Van Berkel, Yentel qui se profile. Ils roulent ensemble à l'entraînement, en plus les gaziers. Deux flammes que ? Donc là, pour l'instant, on attend après le 5e. Il est bon, il doit être 6 ou 7. Comme vous pouvez le constater. Oh, les 5 premiers sont vraiment ensemble. C'est okay. Et là, 5, on a OK. Okay. 5 ou 6 ? 5. 5e. Jérémy. Voilà. Et 6 ? 6, ça doit être Florian, ça, il me semble. Putain de frère, on n'arrive jamais à les reconnaître ceux-là non plus. Il semble que c'est Florian là. Hein. C'est Florian, ouais. Ouais, c'est Florian. Prends ma couille, fais-moi. Je vois, il arrive. Et normalement, on a Damon qui doit arriver. Vas-y,
adversaires. Donc eux, ils ont décidé de faire un tour de plus que nous. Ça peut peut-être être une stratégie payante, vu que nous, il y a des chances qu'on doive refaire un pitage. Et eux, peut-être pas. Bref, ils vont peut-être devoir, ils vont peut-être ne pas devoir refaire un pitage, alors que nous, oui. On verra bien. Allez. Donc là, c'est leur deuxième pilote qui ravitaille. Voilà, donc pour eux, là, c'est fait. Normalement, tout le monde a fait le deuxième ravitaillement. À voir si on en fait un troisième ou pas. Donc, si on relativise, si on résume, nous avons Yentel, toujours 4 Yentel. Yentel 4, Daemon 7. Daemon 7. Max est aux alentours de la 50e place. 55, Max ? 55. Et Félix ? On va regarder où est Félix. Félix, il est 169. Ah, il est là. Voilà, 169 Félix. Normalement, il devrait ravitailler là prochainement, juste après Max. Allez, mon kiki, là, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Vas-y, continue. C'est bien. Allez. Allez. Hey, coupe pas parce qu'il disqualifie tout le monde. C'est bien. Allez, Félix. Allez, mon kiki. D'avoir une info, apparemment Max serait en panne d'essence. On comprend pas trop, donc on va essayer de savoir si c'est vérifié ou non. Tu lui fais un tour de plus. Ouais, donc ouais. Il aurait dû ravitailler en même temps que voilà. Ouais, et on a remis. Pour 4 tours. Bon, on vient de voir passer là sur le bord de la piste Daemon suivi de Mio. Donc il a dû le passer, donc on passerait de la 7ème à la 6ème position. Yentel, 4ème Yentel. Le problème c'est qu'il va falloir le refaire piter. Et on a Jérémy Hoquet à 45 secondes. Donc il y a des chances que Jérémy passe s'il ne ravitaille pas jusqu'à la fin. Et troisième pit pour Kellet. Et nous pareil, juste un petit coup, on va devoir faire la même chose là. Donc c'est décidé, on fait la même chose pour Daemon et pour Yentel. Toi, comme Steve dit, tu mets juste quelques litres. Tu vas passer Stéphane, derrière, à pied, derrière. Il a dû lui arriver quelque chose, Stéphane. Bon, la Yentel qui va arriver. Dans combien de temps? On vient de faire. Donc on vient de faire Yentel, maintenant il restera Daemon. Stop! Vas-y! Vas-y, Daemon, allez, go, dépêche-toi! Vas-y! Bon, Steve, il est en train de parler, il n'est pas sûr que tout le monde finisse dans le top 5. On les a vus repasser. Pour toi, c'est limite, boss? Ah, pour les Honda, là, c'est reparti, oui. Steve, il n'est pas sûr que ça aille au bout pour les Honda Boys. Putain, ça fait chier si c'est ça. Regarde, on a fait rentrer Yentel. Ouais, on a dû faire rentrer Yentel, on verra bien. Si ça tombe, ils vont avoir le même tour que nous l'an dernier. Regarde là, David, il fait rentrer son gars. Ah, je sais, il fait rentrer son fils, David. Bon. Allez, comme nous, quelques lignes. Aussi, préfère assurer la chose. Mais non, on va aller voir si tout le monde va au bout à l'arrivée. Voilà.
C'est notre vainqueur. Il y avait 20 secondes non, dans le dernier. Oui, mais on avait ravitaillé avant, ils ouais, ont ravitaillé dans le dernier, donc normalement. Ils sont repartis en même temps. Voilà, et Lars, troisième. De voir si c'est Yentel ou Jérémy Houquet qui arrive devant nous. Bon là on attend le quatrième, on sait pas du coup si c'est Yentel ou Jérémy. Ils sont passés au même moment. Quand Yentel passait sur la piste, Jérémy repartait l'estang. Donc là c'est short. On va voir si... derrière. Et normalement des... 5 demandes ou 6 6, donc ouais, Demon serait 6ème. C'est Houquet et des... Houquet suivi de Yentel. Ah non. Ah non, il y a de là, il est pas là. Non, il est pas là, Yentel. Voilà, c'est Jérémy qui est reparti devant. Félicitations à lui. On s'inquiète un peu parce qu'on voit pas Yentel. J'ai le tour. Yentel 5 du coup. La Demon, voilà. Du coup, Demon 6. 6, hein, c'est ça, boss. T'en as chié ? Ouais, mais putain, c'est comme une victoire qu'on a. 6. J'ai plus aimé que ça, vraiment. T'as bien roulé. Hein ? J'ai plus droit, tu t'as fait. J'ai plus droit. Ouais. Bon, ils vont passer la moto d'Yentel au comment dire, contrôle sonomètre et puis après les résultats seront soit validés soit invalidés. On verra ce que ça donnera. Donc ils ont pris les trois premiers là. Yentel, une féminine. Et je pense qu'ils vont peut-être prendre au pied aussi. Ouais, je vois la sœur de Jérémy qui est là, donc ils suivront sûrement la passer. Donc tiens mon ami, tu viens remercier qui ? Allez-y. Make-up. T'as dit quoi? Et allez, lance. Et allez, lance. Et allez, lance. Un nouvel... Mais non, en fait, elle dit que t'es botoxé, mais t'es pas si botoxé. Léger. Un peu, ouais. Petite caillasse. C'est les injections, ça. Alors. Bon, Demon, raconte tout. Bah, déjà, le team, il avait fait un gros boulot depuis Osgore sur la moto. Parce que bah, je voulais partir devant avec eux pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et le team a fait le taf hein, parce que je suis parti 5 et du coup la moto, je me suis régalé toute la course. Toute la course a été vraiment cool à rouler. Je me suis régalé, je fais 6, meilleur perf de la saison, même depuis l'année dernière je pense. Donc voilà, ça fait vraiment, plaisir. Du début à la voilà, fin, c'est, je retrouve un peu mon niveau, ça fait plaisir. Surtout juste avant le Touquet, on se rapproche du top 5. Donc c'est cool, on est un petit team avec des gros partenaires, on essaye d'aller rivaliser avec les pilotes officiels. Donc ça c'est vraiment top et ouais, bah aujourd'hui je voudrais remercier le team parce qu'ils font un boulot de fou et voilà, cette place c'est pas encore un top 5 mais bon, elle est dédiée pour le team, pour toi Jimmy, pour tout ce que tu fais, Vincent et Steve. Donc voilà, maintenant il nous reste encore deux bonnes semaines, on va bosser à bloc
Et puis on se donne rendez-vous au Touquet pour un top 5, même mieux, j'espère. Peu. Dans deux semaines. Deux, dans trois semaines, je sais plus. Enfin voilà. Le pape a parlé. On va laisser tranquille. Monte. Bon, débrief de la course de Graillon. Bon, ça va être assez court. Départ pas top du tout. Bon, déjà, avec la panne d'essence d'Osgore, je suis assez loin dans le parc fermé. Donc, assez loin en gris, en quatrième ligne. Bon, voilà, une chute devant moi. On prend cher sur la plage avec les galets. Quelques petits bouchons. Bon, dans les premiers tours, des accrochages aussi. Je crois que je dois passer au-delà de la centième place au premier tour. Bon, j'arrive à me mettre en route et à remonter jusqu'à la 50e place à 1h30 de course. Donc voilà, il y avait encore des places à grappiller. Mais malheureusement, deuxième relais, ben, à 1h50 de course, je tombe en panne. Pas loin des stands, mais bon, voilà, on sait l'erreur qu'on a faite. Mon équipe aussi, c'est un peu une erreur de calcul, en fonction du temps sur la piste et de comment la piste s'est défoncée. Elle s'est défoncée assez vite, donc on a vite pris du temps tour par tour, avec des différences de minutes assez larges. Mais bon, voilà, mon équipe sait l'erreur qu'elle a faite. Je sais ce qu'on a peaufiné pour le Touquet. Et voilà, on est focus là-dessus. On va continuer à travailler. Il nous reste trois semaines. Et voilà, on finit de rigoler. Maintenant, on passe aux choses sérieuses pour le Touquet. Et on sera prêt, on sera là. Et j'espère avec un top 35 pour finir sur une belle note. Allez, ciao. Monsieur Coquet, c'est l'heure de votre débrief. Dites-moi tout, votre week-end. Bah écoute, le week-end dans l'ensemble, il s'est bien passé. Donc on va démarrer par le vintage. Donc il y avait deux pilotes, notre Oui-Oui National et Félix Faure qui roulait. Félix est parti sur les chapeaux de roue, il roulait pas mal, il était dans les 10. Je dirais que sa place était 7-8, donc c'était plutôt pas mal. Malheureusement, il a fumé l'embrayage, donc il fait un DNF. Et notre Oui-Oui, il a fait son petit bonhomme de chemin, parti dernier. Il prend un moyen départ, mais de toute façon, il ne pouvait pas faire mieux que ça en partant dernier sur la grille. Il était 5 ou 6e ligne. Et il remonte 55e. Donc plutôt positif sur le débrief du vintage. Maintenant, au niveau de la course chez les grands, donc il y avait Maxime, Félix et Damon qui roulaient. Donc ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. À part pour Maxime qui nous fait un DNF suite à une panne d'essence. Parce qu'en fait, on avait anticipé, le premier ravitaillement et on voulait le faire rouler un petit peu plus longtemps au second. Malheureusement, les chronos se sont affolés au niveau de ses tours et ça a créé une panne d'essence tout simplement. Donc, il roule avec un réservoir de 10 litres et ça, c'est de la problématique. Donc, on va changer ça pour le Touquet. Et il a roulé en fait plus long. Enfin, il a roulé plus lentement que ce qu'on avait prévu sur les tours suivants. Mais le terrain, en fait, il s'est dégradé d'un seul coup fortement et du coup, les temps se sont affolés. Et malheureusement, ce truc-là, nous, on ne peut pas le. J'avais déjà anticipé 2 minutes de plus que par rapport au premier tour. Mais là, en fait, les tours faisaient 3 minutes et il est tombé, allé à 100 mètres de l'arrivée. Il manquait même pas 30 secondes pour arriver au stand, quoi. Donc ça, c'est le Max. Donc ça, c'est pour Max. Après, Félix, il fait une course honorable à la 177e place. Donc j'ai pas regardé le classement en termes de vétérans, mais bon, c'est plutôt pas mal, sachant que le premier est 50e. Donc je pense qu'il c'est GG le premier, HRS suspension. HRS suspension, le premier vétéran à la 51e place. Il faut savoir que le niveau il est très très élevé. Donc là maintenant pour rentrer dans les 100, bon, bah, c'est très 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 chaud. Maintenant. Après au niveau de Damon, le meilleur représentant du team, la course se passe bien, bon départ, il vire 7 au bout. Il passe 5 au premier tour, parce qu'il y a deux accrochages devant dans le premier tour, donc plutôt positif. Et à l'arrivée, 6, avec pas d'abandon devant, donc ça c'est ça qui est bien. Il a fait sa course, je dirais 6-7, toute la course, et il a été se battre pour chercher la 6e place à l'arrivée, donc plutôt positif. Même bon roulage. En aparté. Même. Et en aparté, on a Yentel qui fait juste devant Damon, donc plutôt positif pour le magasin.
et puis pour le team aussi. Donc très content de la performance de nos riders ce week-end. Voilà dans l'ensemble. Impeccable. Donc la prochaine, c'est le tout qui est bon. La prochaine, ça y est, on y est, c'est la grand-messe. Donc là, on est à fond dedans et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon, voilà. Messieurs. Envoyez des pouces bleus pour nous donner des ondes positives. La force. Pour le touquet. À dans 15 jours. À dans 15 jours.